Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que 0. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. Bonjour Dans cette vidéo, on va s'entraîner à faire des additions et des soustractions avec des nombres relatifs. Et j'espère que comme ça, on arrivera à mieux comprendre ce que ça veut dire que d'ajouter ou de soustraire des nombres négatifs, par exemple. Alors comme d'habitude à chaque moment de la vidéo, si tu penses que tu peux le faire tout seul, tu mets sur pause et tu y réfléchis de ton côté. Alors je vais commencer par prendre le nombre moins 1. Voilà, moins 1. Et si je te dis que moins 1 est égal à 7 moins quelque chose. 7 moins quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il faut soustraire à 7 pour obtenir moins 1 Alors pour faire ça, il y a un outil qui est très utile, hein, que ça permet de visualiser, c'est la droite numérique. Donc je vais prendre une droite numérique. Je vais la mettre ici. Et sur cette droite, je vais déjà placer le nombre moins 1. Alors, ici, c'est le 0. Et le nombre moins 1 est situé à une graduation à gauche du 0. Donc, il est ici. Ça, c'est moins 1. Et puis, le nombre 7, est, il est situé à 7 graduations à droite de 0. Donc, 5, c'est ici. 6, 7, c'est là. Voilà. Donc maintenant, on va partir de 7 et on va soustraire un nombre. Alors, si on soustrait... Ça veut dire que probablement on va se déplacer vers la gauche, et effectivement là c'est ce qu'il faut, hein, parce que pour aller de 7 à moins 1, il faut se déplacer vers la gauche. Alors je vais compter de combien de graduations je dois me déplacer vers la gauche, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc si je pars de 7 et que je me déplace de 8 unités vers la gauche, eh bien j'arrive à moins 1. Donc ce qu'il faut soustraire à 7 pour arriver à moins 1, c'est 8. Donc finalement, moins 1 est égal à 7 moins 8. Alors on va en faire encore un. Si je prends le nombre moins 10 et que je lui ajoute quelque chose, eh bien j'arrive à moins 5. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à moins 10 pour arriver à moins 5 Alors je vais prendre la droite numérique là aussi. Là-dessus je vais placer le nombre moins 10. Donc moins 10 il est situé à 10 graduations à gauche du 0, et il est là. Ça, c'est moins 10. Ensuite, le nombre moins 5, ben, il est là, hein, à moins 5 unités, à gauche du 0. Et pour passer de moins 10 à moins 5, je vais ajouter quelque chose, puisqu'il faut que je me déplace vers la droite. Et effectivement, là, c'est ce qu'on a, moins 10 plus quelque chose. Alors, je vais compter maintenant le nombre de graduations qui séparent moins 10 et moins 5. J'en ai une, 2, 3, 4, 5. Donc si je pars de moins 10 et que je veux arriver à moins 5, il faut que je me déplace de 5 unités vers la droite, ce qui correspond à ajouter 5. Donc moins 10 plus 5, 5 c'est égal à moins 5. Allez, on continue. On va dire que par exemple 4, le nombre 4 est égal à moins 2 plus quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à moins 2 pour arriver à 4 Alors je prends la droite numérique. Voilà. Alors là, le nombre 4, il est situé à 4 graduations à droite du 0. Donc il est ici. Ça, c'est 4. Et le nombre moins 2, il est situé à 2 graduations à gauche de 0. Ici, c'est moins 1. Et ici, c'est moins 2. Donc ça, là, c'est le nombre moins 2. Alors, si je pars de moins 2, pour arriver à 4, il faut que je me déplace vers la droite. Donc, je vais ajouter quelque chose, je vais ajouter un nombre positif. Et pour savoir quel nombre je dois ajouter, eh bien, je vais compter le nombre de graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6 graduations. Donc, partant de moins 2, il faut que j'ajoute 6 pour arriver à 4. Donc, ici, on peut écrire que 4 est égal à moins 2 plus 6. Allez, on continue, je pense que ça fait vraiment du bien de s'entraîner avec ça. Alors, on va dire cette fois-ci que 6 plus quelque chose, 6 plus quelque chose est égal à moins -8. Donc je prends la droite numérique. Alors, le nombre 6 le nombre 6, il est là. Ça, c'est 6. Et le nombre moins 8, eh bien, il est situé à 8 graduations à gauche du 0, donc moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 8, il est là. Alors pour passer de 6 à moins 8, il faut qu'on se déplace vers la gauche. Alors ici on a un plus, ce qui veut dire que le nombre qui est là, c'est forcément un nombre négatif, hein, puisque quand on ajoute un nombre négatif, on se déplace effectivement vers la gauche. Alors je vais regarder de combien il faut que je me déplace. Donc je pars de 6 et je dois arriver à moins 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc pour passer de 6 à moins 8, il faut que je me déplace de 14 unités vers la gauche, ce qui correspond en fait à ajouter le nombre moins 14. Donc ici, je vais faire 6 plus moins 14, et 6 plus moins 14, c'est égal à moins 8. Et en fait, cette opération-là, 6 plus moins 14, ça veut vraiment dire 6 moins 14. Et 6 moins 14 est égal à moins 8.